Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le simulateur de golf de la société VGolf Europe dans son showroom juste à côté de Colmar. L'ensemble du coup que vous allez taper va être analysé. Et on va savoir votre chemin de club, la phase de club, où vous avez touché la balle, comment qu'elle est partie. Enfin, vraiment, le coup que vous avez effectué sera totalement synthétisé. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que vous jouez vos propres clubs et des vraies balles. On n'est pas sur un jeu vidéo, on est sur quelque chose où on va, c'est un simulateur, c'est vrai, mais vous jouez au golf. Le simulateur n'est pas fait pour remplacer l'extérieur. Mais il y a une réalité, je suis un joueur très moyen, il m'arrive fréquemment de faire des parties très moyennes. Bah, la première des choses que je fais quand je rentre, après ma partie 18 trous, c'est j'allume le simulateur et je retape deux balles parce qu'il faut que je comprenne pourquoi j'ai joué aussi mal. Fait que de l'indoor. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise des procédés qui sont soit de la caméra haute vitesse, soit du capteur optique. Contrario avec du radar, qui est un produit fabuleux, mais en extérieur. Parce que celui-ci ne va lire que le vol de balle, et le vol de balle ne peut se lire qu'à partir d'une certaine distance. Lire un vol de balle sur 3 mètres, je vois pas trop la cohérence. Nous, ce qui est important, c'est les 10 cm avant la balle et les 10 cm après la balle. À partir de là, le logiciel va permettre de véritablement vous déterminer le vol de balle pur. J'insiste sur une chose. Dans le cadre de mes clients majoritaires, qui sont donc les particuliers, c'est véritablement de leur créer une pièce, un endroit, un lieu dans leur habitation ou à côté, où ils vont se faire plaisir tout le temps. On va essayer d'optimiser véritablement les espaces qu'on va nous rendre disponibles. J'ai récemment un client qui m'a dit, c'est un monsieur qui a plus de près des 70 ans, qui m'a dit que de toute sa vie, le plus beau cadeau qu'il se soit fait, et pas en termes de valeur, mais en termes de plaisir, c'est le simulateur. Parce qu'il l'allume régulièrement. Alors voilà, j'ai testé le simulateur de golf qui complète bien une pratique en extérieur, qui permet de s'entraîner plus souvent, d'améliorer ses performances ou tout simplement de se faire plaisir à la maison en jouant 18 trous entre amis.